Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous présenter en fait un nouveau jeu que je me suis procuré en Europe en fait. C'est le jeu Bud Spencer et Terence Hill Slaps and Beans. Donc c'est un jeu un peu comme Limited Run, mais pour l'Europe, là, avec ici Strictly Limited. Donc un jeu que j'avais déjà essayé, que j'avais vraiment bien aimé lorsque ça avait sorti en version numérique. Mais lorsque l'édition physique a été annoncée en septembre dernier, donc en septembre 2019, je l'ai commandé et ça a pris quand même un certain temps, mais je viens juste de recevoir le jeu et je suis vraiment content. Donc, un nouveau jeu à ajouter dans ma collection. Je vais vous le déballer, je vais vous montrer à quoi ressemble l'intérieur de la pochette. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce jeu-là, à la base, Terence Hill et Bud Spencer, ces deux acteurs qui ont été très populaires dans les années 60, 70, 80. Et c'est en fait le premier jeu qui les met en vedette. Donc un jeu de un style Double Dragon, là, qu'on fesse et on frappe tous les méchants qui sont à l'écran. Un peu comme un Double Dragon, mais version Bud Spencer et Terence Hill, où on ramène les scènes clés de certains de leurs films, la musique également du jeu. Rappelle les longs métrages également, c'est des séquences, des pièces musicales qui viennent du long métrage, des longs métrages qu'ils ont fait ensemble. Et c'est vraiment, on voit dans différents segments, ça peut être western, ça peut être plus à notre époque également. Donc on joue à différentes scènes, à différents événements, c'est vraiment rigolo, très drôle. Même le bruitage nous fait penser au long métrage. Donc, si vous aimez les deux acteurs, je vous invite évidemment, malheureusement, on ne peut plus avoir de copie physique, donc c'est terminé. Mais au moins, vous pouvez vous le procurer sur les différentes plateformes en version numérique. Donc, on va continuer. Je vais vous montrer à quoi ressemble la pochette. Voilà. On voit ici là, Bud Spencer, Terence Hill, avec différents antagonistes qu'ils doivent, disons, tapocher. À l'arrière, on a également quelques images supplémentaires. Voilà. C'est un graphique style 16 bits, hein, pixelisé, mais on reconnaît quand même bien les personnages. C'est intéressant à voir évoluer. Et à l'intérieur, mais on retrouve simplement la cartouche de jeu avec une belle image de fond. Malheureusement, il n'y a pas de petit livret. J'aurais aimé avoir un livret, mais ce n'est pas le cas. Et en plus de ce jeu, de cette version physique-là, la compagnie, pour s'excuser du temps que ça a pris, ça a été un peu plus long que prévu. Ils m'ont fait parvenir une carte postale. Donc, on peut voir à l'arrière. Donc, on peut dire que c'est un genre de pièce de collection. Fait que je vais l'ajouter avec mes autres jeux. Donc, ici, Bud Spencer, Terence Hill, Slaps and Bean. Un jeu qu'on peut se procurer numériquement un peu partout. Mais moi, je suis content. J'ai ma copie physique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous connaissez ce jeu? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Parlez-moi-en justement dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!